Ma petite AMG, c'est une A45 phase 2 de 2016 avec un rouge Jupiter, c'est un très beau rouge. Donc moi je la voulais vraiment dans cette configuration avec le pack aérodynamique. Le pack aéro, c'est la lame comme ça en bas en noir brillant, les rétros aussi en noir, le petit aileron qui pour moi est indispensable sur les A45 AMG. Parce que sinon, voilà, on peut pas la différencier vraiment avec une classe A normale. Il y a aussi le diffuseur qui est spécial aux phases 2, que je trouve très, très racé, très beau. Donc voilà, full rouge, full black. J'ai pas fait de modification. Les jantes sont d'origine en 9 pouces. Vraiment typique AMG, avec les étriers de frein rouge. Alors tiens, regarde si tu veux les voir. Vraiment, voilà. Ils sont assez gros quand même. Je vais vous montrer l'intérieur. Vite teinté à l'arrière. J'ai pas fait teinter les vitres. Bon, j'aime bien voir la nuit quand même. Alors elle est presque full option. Là on a les bus d'aération avec les rappels rouges. Qui sont aussi dans les classes SL. D'accord. Le grand GPS, elle a la fonction restart, donc là vous avez les modes de conduite, confort, sport et sport plus. Je vais te l'allumer. AMG Performance. Donc voilà. Là on a les ceintures rouges à l'avant comme à l'arrière. Sauf bien sûr celle du milieu parce que bon le passager du milieu on s'en fout un peu bien sûr. En rouge, tapis de sol AMG. Les sièges confort. Il y a l'option siège récaro qui sont vraiment vraiment très beaux. Après là vu que c'est mon daily, j'ai préféré une voiture avec les sièges confort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Moi, je les trouve magnifiques. Sur piqûre rouge, et là, t'as de la vue tout autour. Bon, pour des sièges confort, ils sont quand même bien rasés. Voilà, tiens, si tu veux monter, là, t'as les fonds de compteur en carbone. C'est toujours pas l'écran avec compteur digital, mais ça fait le job. C'est beau. Le volant est sympa. Le volant est gros, tu vois, il est très, très épais. On a une voiture très très puissante en face de nous. Ça risque de compliquer les choses. Mais t'as vu maintenant ils font des travaux là-bas donc c'est devenu. Ouais c'est chiant, c'est vraiment chiant. Ouais c'est casse quoi. Mais du coup c'est Corentin VG quelque chose. Je sais pas si tu vois sur Instagram. Ouais ton pote là ouais. Ouais d'accord, ok. Ouais. Donc voilà, si vous voulez visiter Bordeaux, vous avez le choix entre une A45 AMG ou ce jeune véhicule électrique. Perso, je prends la 45. Il y a l'air d'avoir moins d'ambiance quand même. Ouais.
tu rentrais de Miami. Ouais, ouais, mais écoute, c'est toujours une plaisir. J'avais pensé changer, tu vois, à la fin, mais bon, là, je me dis, je vais changer, donc changer de voiture. Tu vas prendre la nouvelle A45? Non, non, non. 4 cylindres. C'est toujours un 4 cylindres, donc du coup, ça... Ça me dit rien, il me faut un plus gros moteur, maintenant. Après les États-Unis, ouais. J'ai besoin de quelque chose de plus gros. Ouais, les États-Unis. Tu sais qu'une amie de mes parents, elle en a une, c'était à 1100 chevaux. 1100 chevaux. Et elle a fait un tour dans les petites routes de campagne vers Paris. C'est vraiment fou. Ouais, ouais. C'est... Après, je t'avoue, en ville, ouais. C'est trop puissant. Tu oui, vois, elle, elle habite à la campagne au milieu des champs. Donc, Ouais, ouais. Même la Corvette, moi, que j'avais, 700 chevaux, ça patine derrière. Ça patine. Tu peux le mettre là. Bon, c'est pas mal. Ouais, pour bien entendre le bureau. Soleil sort. En plus elle est propre. Ouais, ouais, parce que là il y avait une Ferrari à tourner, je sais pas, c'était une California. Dégueulasse, vraiment avec les gros. Enfin vraiment sale. Ah ouais, ouais. Sain. We'll be right back.
sur autoroute, j'aurais plus de doutes. Hein. Ouais. Moi, elle tient juste à 300. Juste 300. J'aurais pas confiance sur autoroute. Ouais.